Bon, on voit ça plus tard. On va refaire le même cheminement que pour Aida. Ah non, je peux pas y aller. Ah mais d'accord. Ah ok, donc du coup je suis obligé d'aller là-bas, d'accord, ok. Ok, on va être obligé de faire le demi-tour complet. Le tour complet du bordel. Attention au spider. Ça c'est bon, ça passe. On est bon. Perdu en tous les sens. Il y a un passage là et un en haut. Allez, on prend le premier. On va là. Attention, j'aurais pas pu aller là-bas parce que il y a de l'eau. Il y a une cascade qui nous empêche de passer très certainement. Il va falloir la désactiver. De l'herbe bleue. Qu'est-ce que j'en ai? Bon, c'est pas la peine. Pas empoisonné, ça. Non, non, c'est que pour les spiders, on s'en fout. Oh non, ne me dis pas que je suis le volant. Oh putain, tu m'as eu. Oh, oh, il nous a eu, putain, j'en plus que... Je le savais. Je le savais. Ils nous ont eu. Jack, t'aurais pu me dire qu'il fallait le volant. Bon. On est bon pour revenir. Ah les enfoirés. Attends, c'est là. Perdu. Il y a des quoi ici? Ah oui, c'est là. Voilà, ça c'est vraiment c'est le cancer des RE. C'est ça, c'est les allers-retours parce que t'as pas assez de place dans ton inventaire. Du coup, t'es obligé d'utiliser les mâles magiques pour le stocker. Alors ça n'a aucun intérêt en vrai. C'est juste histoire de grappiller de la durée de vie. Ça, pour le coup, pour moi, ça a vraiment vie. Alors il y en a qui vont dire non, mais c'est normal, c'est les intelligents. Moi, je dis non. Non, c'est pénible, c'est chiant. Quoi. Si encore t'avais une logique, tu vois, genre une logique, c'est-à-dire que genre le pompe, ok, il prend une place. Mais c'est anormal, par exemple, qu'un médaillon à la con, il prenne une place. C'est anormal que des plantes à la con, ça prenne une place entière aussi. S'il y avait une forme de logique, je veux bien, mais là, c'est juste relou. Bon. Alors du coup, la grande question, c'est... Est-ce que je garde la médaille loup? Tu vois, j'en ai aucune idée. Je vais la virer, mais bon, tu sais pas. Bonne nuit, ceux et celles qui vont ronfler. Ça va faire dodo à 11h. C'est des petites natures, ça. Ou des gens qui travaillent. Merde. Ah, bonne nuit en tout cas. Et à demain, attention. Demain, rendez-vous 21h. On fait les scénarios de Claire. J'espère quand même que... Bon, on va se donner 5h pour le finir. Allez. Je vous dirais, là, ça fait 5h, on l'a pas encore fini, bordel. Incroyable. Donc, par là. My life is shit. N'empêche, pour se faire toucher par les spiders ici, il faut vraiment le faire exprès. Hein. Elles sont tellement lentes. La mallette du 4 était très bien pour ça. Mais c'est pour ça que moi j'adore le 4. Hein. Effectivement, dans le 4 ils ont viré les mâles. Et c'est exactement ce qu'il fallait faire. La mallette elle est top.
mallette upgradable, il améliore au fur et à mesure. Ben voilà. Voilà, parfait. Bravo. Est-ce que ça va me permettre de rejoindre Aida, ça? Donc c'est vert que je prends. Il y en a deux. On s'en fout. Oh là, va, je vais être full encore, c'est pas vrai. Ah bordel. On peut sauvegarder, mais il n'y a pas de coffre. Ils sont sérieux. Ils mettent une machine à écrire, mais ils mettent pas de... Ils mettent pas de coffre. Ah, c'est nouveau, ça. La question, c'est, est-ce que j'utilise ça? Je sens que je vais remonter, non? À mon avis, j'en ai besoin. Ouais, je vais le remonter. On va le remonter. Je sens que j'en ai besoin quand je vais remonter en haut. Voyons. Et ils nous virent toujours pas la valve, hein, les enfoirés. Oh lolo les gars, attention, je me rappelle de cet endroit. Est-ce que ça va être là? Ah oui, ça va être là. Ok, c'est là, je vais rien dire. Je vais rien dire. Est-ce que c'est là ou c'est plus tard? Ah, ça va être là. Attention. Oh putain. Oh, cette modélisation. Question de pas fail. Alors. Donc là. Je crois qu'il faut attendre. Hein. Ah, je suis pas certain. Putain, je suis pas certain. Ah, je me souviens plus. Est-ce que faut attendre qu'il la prenne? Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Faut pas tirer avant. Hein. Je crois qu'il faut attendre. On va voir. Oh oui! Alors là, bravo. Bien joué. La fameuse scène de l'alligator, putain. Je me demande si elle y sera dans le 2, ça. Enfin, dans le 2, dans le remake, je veux dire. Il ressemble tellement à rien! Ah, regardez la modélisation du truc! Oh putain! On le fait péter avec la bonbonne exactement comme dans le 2. C'est dans de la merde, le truc. Bon et parfait. Oh la vache! Attends, il nous cache carrément le paysage. Est-ce qu'il y avait un truc à choper là? Non. Mais c'est bon. Oh bordel! Mais je crois qu'on n'est pas obligé de le tuer comme ça. On peut aussi le tuer à la loyale. Au bout d'un certain nombre de balles, il doit me sauver. Alors ça marche pas. Tout le monde dans le conduit à ordures, vite! Le conduit à ordures, quelle magnifique idée! Léa! Léa.
my life is shit. Ah bah c'est là qu'elle va lui mettre le banc. Ah oui d'accord, c'était rapide. C'était rapide. Enfin, ça n'a quand même aucun sens. Pourquoi elle lui a pas mis le bandage quand elle l'a quitté tout à l'heure? Sérieux. Genre, elle nous laisse nous vider de notre sang. Et puis une heure plus tard, ah oh, allez, un petit bandage. Pourquoi? Pourquoi elle l'a pas fait direct? Ah putain. Ah, y'a tellement de trucs bizarroïdes quand même. Bon, mais c'est parfait. Alors, donc il y avait un truc à choper là-haut. Et il s'agit de... Ah, mon inventaire est plein, bien sûr. Donc on va combiner toutes ces conneries. Ça ira mieux. Médaille aigle. Il y avait un endroit où j'aurais pu mettre ça ou... Je crois pas. Hein. Le journal du responsable des égouts. J'ai vu tant aujourd'hui. On a parlé après le boulot, ça faisait un bail. Que l'on ne s'était pas vu. Il m'a dit qu'il avait été très malade jusqu'à hier, ça m'étonne pas. Vu le temps qu'il a bossé ici, il suait terriblement et n'arrêtait pas de se gratter quand on... Je lui ai demandé s'il avait chaud et il m'a regardé comme si j'étais fou. C'est lui qui compte parent, oui. Iron, le capitaine, passe très souvent au laboratoire. Je ne sais pas ce qu'il y trafique, mais il a vraiment l'air désespéré. Je commence même à m'inquiéter. À mon avis, c'est à cause de ce que demande le docteur Birkin, mais il veut l'impossible. C'est triste pour Iron. Après tout ce qu'il a fait pour la ville, il ne méritait pas. Je ne bois presque jamais parce que je bosse la nuit, mais je ne me plains pas. Vu que ça me rapporte de quoi vivre. Iron, le capitaine, est venu en retard ce matin. Il avait l'air encore plus stressé que d'habitude. J'ai essayé de faire de l'humour pour le dérider, mais ça n'a pas fonctionné du tout. En fait, il a sorti son flingue pour me menacer. Heureusement, j'ai réussi à le calmer. Ce type a de sérieux problèmes. Pourtant, il sait bien qu'il a besoin de mon aide et de la médaille pour rentrer dans le labo. Peut-être que son job de chef lui a monté à la tête. William m'a dit que les journalistes et les flics ont commencé à mettre leur nez dans les affaires de la société Umbrella. Des recherches vont être faites dans toute la ville et il est possible qu'ils fouillent les égouts. Ils m'ont demandé d'arrêter les travaux d'Umbrella dans les canalisations jusqu'aux conclusions de l'enquête. Ils utiliseront quand même les égouts pour ça. Mais il faudra que je fasse très attention. Quelqu'un prend quoi que ce soit, William. Fire! Il sera fire! Peut-être qu'elle n'avait pas les bandages avant. Ça doit être ça, Maldor. Ça doit être ça. Oui, Maldor. Tout va bien, Maldor. Tout va bien. Ne panique pas! Oui, sûrement, non, mais je pense que c'est ce qu'on va penser, ou je sais pas quoi, enfin bref, je pense que c'est bien. C'est le genre de truc, à aucun moment, en 98, tu vas te poser la question, parce que tu t'en fous. Aujourd'hui, tu tiltes. C'est ça. Bon, et du coup, je peux pas aller en haut, puisqu'il y a le ventilo qui tourne. On passe pas jouer à Alien 3. Donc... Alors, si j'active le bordel, ça va se passer, on est là bien. Attendez-moi. Activer la valve de l'éternité. C'est tout ce toit. Enfin, je vais quand même le faire, peut-être que ça... Peut-être que ça désactive le ventilo. Oh, je sais pas, on va voir. Peut-être que faire remonter la plateforme désactive le ventilo. Ça n'aura aucun sens, mais bon. Ah mais non! Ah mais d'accord, mais je pense... Oh mais d'accord. Ah mais d'accord. Depuis le début, moi je pensais que ça servait juste en fait à activer le...
la plateforme en haut ou en bas. Et en fait, non, ça désactive carrément le ventilo. D'accord. Ouais, loul. Je pensais que ça servait pour la plateforme, moi, pas le ventilo. C'est pas grave. Alors la question c'est... Peut-être que... What? Oh putain. Est-ce que la cascade d'eau là-bas s'est arrêtée? Pour qu'on puisse passer. Mais d'accord, c'est le seul chemin où je pourrais aller. Non, putain, attendez, je peux pas passer là. Ah, mais attendez, il y a l'interrupteur. Un loup et un aigle. Ah, mais du coup, je peux mettre ça alors. Ah, il faut que je fasse deux. Ah la vache, il faut que je trouve le loup. Ok, d'accord. Bon, au moins on a compris ce qu'il fallait faire. Il faut trouver le loup. Ok. Il faut trouver le loup. D'accord. Alors le loup. Pas très clair pour ça. Le loup. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de loup? Il faut deux médaillons. Oh merde! J'ai peut-être dû les zigouiller. Là en face, il y a que dalle, il y a l'échelle, on est d'accord. Ah mais oui, dans mon coffre, effectivement, vous avez raison. C'est vrai que j'avais déjà le médaillon. J'avais oublié. Un oubli malencontreux. Effectivement, je l'ai déjà. Alzheimer le guette. Non mais c'est vrai, j'avais oublié que je l'avais déjà. Oui, c'est vrai. Ah, il est con. C'est vrai, j'ai oublié. Pourtant, ça me ressemble pas d'oublier ce genre de choses. C'est pas trop le genre de la maison. Donc... Effectivement, il est là. Bon, au niveau munitions, franchement, je vais pas me faire plaisir là. Il n'y a aucun souci. On va virer ça. Je vais juste garder ce que j'ai là. Du coup, le volant de Val, est-ce qu'il me sert? Ben non, il ne me sert plus là. Je pense que je peux le virer. Allez, on voit. Je crois qu'on est pas mal comme ça. Ça me semble très bien. On va quand même pas sauvegarder. Hein. Pas déconner. Enfin, je crois que je sais pas. Le truc, c'est que je me souviens plus, c'est qu'il y a des boss, quoi. C'est ça le problème. On va dire qu'on est bon. Ok. Bon, vous savez quoi? Je vais aller pisser, moi. Je vais aller pisser, malheureusement pour vous, d'ici quelques secondes, vous aurez un magnifique écran pause. Ah, c'est comme ça, c'est des choses qui arrivent. Je reviens dans 2 minutes.
avancer. Pas relou cet écran pause. Bien. Mais c'est incroyable, il est presque 23h30, on n'est même pas encore au laboratoire. Oh putain! Dire que je pensais qu'avec du bol on mettrait genre 4h. Ok d'accord. Non pas du tout. J'ai complètement fail. Combien de temps avec Léon à peu près? Ben, je pourrais pas te dire, mais à mon avis au moins une heure. Enfin, une heure c'est sûr. Une heure c'est certain. Moi je dirais je pense une heure et demie. Voilà. Maximum 2 heures je dirais. Mais je sais pas, entre 1 heure et 2 heures. On n'est pas encore au labo quoi. Je comprends pas. Compréhensible. Est-ce que je suis si lent que ça? Mais arrêtez avec cette... Mais qui a eu cette idée? Il y a un mec qui s'est levé, il a dit « Moi, boss, j'ai une super idée. » Toutes les 30 secondes, si le joueur touche pas la manette, je le mets en pause. Et il y a un gars qui a dit, je valide. Je valide. Non, tu valides pas. Tu valides pas, mon dieu. Allez. Mais si, ils ont validé. Ouais, 2 heures. Putain, encore 2 heures. Hein. Oh la vache. Mais incroyable. Bah du coup ça me fait même peur en fait pour demain. Est-ce que le séant de Claire il est comme Léon? Au niveau de la longueur il est pareil. Du coup ça me fait peur parce que si on commence demain à 9h... On va pas finir à 14 ou 15h du mat quoi. Impossible. Ouais.
heureux de faire rimer, c'est que t'as l'étude en préparation et RE8 est plus nouvelle. Attends, mais 7, donc t'es en train de me dire que le RE3 remake, c'est confirmé pour toi. T'as des informations comme quoi... Donc t'as quoi? Je vais découler. Fais gaffe, Faïda, t'es en train de te prendre des balles perdues là. Tu me confirmes que pour toi, RE3 remake est en préparation. T'es sérieux là ou est-ce que t'as des infos fiables, Seth? Tu les sors d'où, ces informations? D'accord, ben oui, évidemment. Évidemment. Forcément que si RE2 est un énorme poussé, alors oui, donc vous avez un RE3 remake, ça m'étonnerait qu'il est déjà fait maintenant quand même. Ça sent le boss. Ça sent le boss. Ça sent le boss, les gars. Ah, dans le crâne, parfait. Ah, parfait. Ok, donc ça veut dire que. Donc prends ce truc là. On va accéder à une nouvelle zone. Là il va se passer quelque chose. Il devrait se passer quelque chose. Oui non mais d'accord évidemment. Si RE2 remake le vend bien, ils vont peut-être faire 3 remakes. Là on est d'accord. Oh bordel! Il nous en veut! Éventuellement, j'ai bien compris.
sont pas hostiles à l'idée. D'accord. Comment allumer ce lance-fusée? En appuyant sur le bouton. D'accord, non mais j'ai compris. Apparemment c'est quand même plus qu'une simple rumeur. Ok, ok. Moi ça m'étonnait, mais pourquoi pas. On va le dessouder. De toute façon, niveau munitions, on est pas mal. Je pense que là, il faut pas que j'hésite. Ah bah attendez, c'est un petit salive, c'est parfait. Ah bah c'est nickel ça, vas-y. Allez hop. On est toujours en vie. Non, il est mort. Finis-le, ce temps pas fait. Bon, il faut que j'économise. Est-ce qu'il est mort? On va dire que oui. Ils sont nombreux là. Deux passages. Il va aller là-bas. Pourquoi il tire pas là? Tire! Pièce fusil. Ah, on va pouvoir améliorer le pompe. En voilà une bonne nouvelle. Très bien. Bon, on connaît pas l'intérêt exact, mais bon, on va l'améliorer. Ah, voilà. Fusil amélioré. Très bien. Ah, alors déjà, il permet d'avoir deux cartouches en plus. Ce qui est parfait. Mais est-ce que c'est tout ce qu'il fait? C'est déjà bien, on va voir. C'est déjà bien. Mais ouais, mais putain. Oh la vache. Dans le dos. Aida, tu pourrais tirer un peu. Non, elle veut pas. Il y a un truc derrière moi. Ah. Juste pour une herbe. Bon, pas trop le coup, mais bon, quand même. On a de la place. Allez. Améliorer le fusil à pompe apporte une meilleure puissance de feu. Ah, en plus, c'est parfait. Deux cartouches supplémentaires plus une meilleure puissance de feu, c'est très bien. Parce que là ils ont oublié de mettre le... Il n'y a pas la musique des salles de sauvegarde alors qu'on est bien, dans une salle de sauvegarde. Quelle étrangeté, messire. Je crois bien que c'est un chargeur de Magnum. Ouais, ça c'est un chargeur pour le Magnum, c'est parfait. Ok. Alors. J'en ai tellement des herbes.
je vais les combiner ces croisières. Je vais les combiner. Voilà, on va rester comme ça. On prend également le magnum. Le chargeur plutôt. Ils ont mis un autre thème ici. Bah oui, c'est ce que j'entends. Enfin non, j'ai plutôt l'impression qu'ils ont oublié de mettre le thème, non ? Qui ton coste ? Bah, allez, c'est compliqué qui est le coste. En compte, moi j'arrive plus, hein. Ah, je peux plus. Je ne peux plus. Je vais combiner les trois liens. Pas de la place. Voilà, comme ça, je vais garder ça. Et voilà. Ouais, c'est bien. Moi, ça part des grenades acides. Oui, non, mais d'accord, j'ai compris. C'est Info, Kotaku et Gamecult. D'accord, d'accord, c'est pas bien. Très bien, très bien, très bien, très bien. Très bien. Dommage, il a oublié un truc. Pas grave. Les gars, on fait pas le jeu à 100%, hein. J'ai oublié un truc, évidemment, j'ai oublié des trucs. Pourtant, je trouve que j'ai quand même plutôt bien exploré, donc... Pas grave. On se sauvegarde, et go. Bon, on peut y aller comme ça. Let's go! Donc on a tout chopé. On va rien faire ici. Ah, vous le briquez sur le lance-fusée. Ah, il fallait faire ça! Bon, attendez, j'y vais. On va être poli, hein. Allez, je vous écoute. J'ai raté le briquet sur le lance-fusée. D'accord, mais j'ai pas pensé. Effectivement. Il faut que je revienne en plus. J'espère pour vous que ça va aller le coup, hein. On va faire le briquet sur le lance-fusée. Ouais, j'y ai pas pensé à ça, je pensais pas du tout que c'était breaké. Te dis de quoi? Comment allumer ce lance-fusée? Parce que c'est débile, quoi. Franchement. Non, mais c'est quand même mon con. Comment allumer ce lance-fusée? Le truc, tu vois bien que c'est un bordel mécanique de ouf, avec des pistons et tout. Et en fait, fallait juste le briquer. Non, mais genre, on dit un bordel du Moyen-Âge, quoi. Comment allumer ce lance-fusée? Oh, comment tu peux deviner que c'est le briquet sans déconner? N'importe quoi, hein. Oh, ah, d'accord. Ça te montre qu'il y avait un truc à droite. Ah, eh bien, c'est la clé du casier arme. Ça ne veut rien dire. Clé casier arme. Et voilà, on a chopé une clé, les gars. Bon, on sait pas où est-ce qu'elle va nous servir, mais bon, très bien.
Oui, oui, c'est logique, les gars, je sais, c'est logique. Tout va bien, les gars. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. C'était par là, hein, je crois. Mais non, il y avait une échelle. Merde, attendez. Je suis perdu, ça y est. Bah oui, ça devait être là, oui. Ah oui, c'était là, je suis con.